Bonsoir à tous, à toutes, et bienvenue à Elstroot Food New Jersey pour WWE Monday Night Raw. On accueille tout de suite le boss, le COO de la WWE qui fait son retour, WWE Monday Night Raw, Triple H. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était lors de WrestleMania, dans son match face à AJ Freaking Style, l'un des meilleurs matchs de WrestleMania, bien sûr voté par vous, hein, vu vos commentaires sur ce magnifique WrestleMania qui sera, je pense, le meilleur WrestleMania que j'ai fait au monde. J'ai fait de mon histoire, tu vois. On l'a fait pas mal de WrestleMania, mon côté, mais c'était déglingué, tu vois. Cela, franchement, c'était de la folie pure. Petite annonce aussi, donc je vais se retirer Payback en fait, parce qu'un abonné m'a dit. Payback c'est un peu comme Revenge. Il a pas tort, il a clairement pas tort, donc on va le retirer. Mais on va le remplacer en fait, on va le remplacer par... je crois que je vais le remplacer par Backlash. Et Battleground on remplacera par Pay-Per-View. Un ancien Pay-Per-View que vous choisirez ou que vous créerez de toutes pièces. Hein, voilà. On verra par la suite, mais en tout cas Payback sera remplacé par Backlash. Donc c'est un de mes Pay-Per-View préférés, donc pourquoi pas. Après, dites-moi si vous êtes d'accord et si vous voulez un vote pour qu'on choisisse pour faire d'après Extreme Rule. Voilà. Et si j'ai l'idée de faire un vote, je le ferai tout de suite après. The WWE Universe, I'm coming back! The CEO of the WWE, the King of Kings, Triple H, is back! Ça fait énormément plaisir de vous revoir, fans de la WWE. La dernière fois qu'on m'avait vu, c'était donc à ce WrestleMania qui fut le meilleur WrestleMania de l'histoire. Mon match avec AJ Styles a été attendu par pas mal de personnes et a surpris beaucoup de personnes, surtout vous, univers de la WWE. Styles est sorti vainqueur. Félicitations pour lui, j'espère qu'il aura un bon avenir. J'ai eu une demande de la part de Finn Balor pour mettre Styles dans un match. Mais ce match est à SmackDown et je vais le laisser à Shane McMahon. Vous le savez déjà, ce soir, dans le main event de WWE Monday Night Raw, Randy Orton va défendre son titre de la WWE contre Dean Ambrose, qui va mettre son title shot qu'il avait gagné lors de WrestleMania dans la Battle Royale. De plus, si je suis ici,
C'est pour faire de ce show le plus important de la WWE. SmackDown est en train de prendre une grande ampleur grâce à Shane McMahon. Et maintenant, moi, Triple H, va redonner ce que Raw mérite d'avoir. Et pour ça, il nous faut de grands matchs. Raw possède les plus grandes stars de ce sport. Et ce soir, Hideo Itami, l'étoile montante, affrontera donc Rusev dans un match 1 contre 1. Aussi, Kane, the Big Red Monster, affrontera donc Neville à Extreme Rules dans un table match. Mais bien sûr, ce qui vous intéresse, c'est ce qui va se passer tout de suite. Tout de suite, nous allons voir un match pour être number one contender for the WWE Tag Team Championship Extreme Rules. Et ce match, c'est tout de suite. Donc, quelle annonce déjà? Donc, déjà, je vais remettre une chose au clair. Dans l'audio que j'ai enregistré, j'ai fait une connerie. Si j'ai dit, donc ce match est bien pour être un challenger numéro 1. Mais j'ai oublié de dire avant Extreme Rule, pour Extreme Rule. Hein, ce n'est pas un Extreme Rule match, c'est un tag team match normal. Sauf que le vainqueur affrontera donc Cesaro et Kid pour être titre par équipe à Extreme Rule. Et non, ce n'est pas un match en Extreme Rule. Il y a pas mal de personnes qui disent oh putain de merde, il va le faire. Et en fait, non, les gars, on va se calmer. C'est que Raw. On va se calmer un peu, les gars. Calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous, d'accord? J'ai juste fait une connerie à l'audio, j'avais pas envie de retourner. Donc, on va se calmer. En gros, voilà. Donc, Callum Dawson et Doug Gallows contre la White Family. Donc, deux clans qui vont s'affronter. Donc, Callum Dawson et Doug Gallows, si on veut, c'est leur deuxième chance d'être challenger numéro 1. Voilà, leur deuxième opportunité. La Wyatt Family, c'est leur première opportunité. Luke Harper a pas mal brillé en solo du côté de SmackDown. On va voir ce que ça donne pour ce match. Donc j'ai un peu réfléchi. Peut-être que je dans la description, donc les gars, je vais sûrement faire un vote où je mettrai donc 3 pay-per-view. 2 ou 3 pay-per-view. Et le pay-per-view qui aura le plus de votes, c'est le pay-per-view qui remplacera Payback. Donc ça sera peut-être Backlash si vous le choisissez. Donc je pense que je vais sûrement mettre aussi No Mercy et peut-être No Way Out. Peut-être No Way Out. Ouais, peut-être ça. Ou je crois qu'il y a un abonné qui voulait Armageddon, mais ça je vais garder pour un vote pour le pay-per-view qui remplacera Battleground, tu vois. Et je vais sûrement faire un vote. Si j'oublie de faire un vote, c'est tout simplement que le pay-per-view sera Backlash. Hein, voilà, ne vous en faites pas. En tout cas, ça s'est fait parce que Backlash, j'ai tout préparé. Donc, il y aura un vote dans la description qui va durer, je pense, 2 semaines pour le Raw et SmackDown, tu vois. Et dedans, vous voterez le pay-per-view que vous voulez qui remplace Payback. Et bien sûr, je mettrai un choix de conserver Payback. Hein, voilà, donc il y aura des pay-per-views, donc des anciens pay-per-views. C'est un pay-per-view que j'aurais créé par moi-même, si j'y pense. Là, pour l'instant, je pense pas, mais voilà. Et peut-être un choix en mode conserve payback. Voilà, donc voilà, ça c'est fait. Comme ça, vous savez tout. Nous, on se remet dans le match. Ouh, le super kick de Luke Harper. Il l'a fait à la Young Buck, mon gars. Il l'a fait à la putain de Young Buck. À la Bullet Club, Young Buck, voilà. Petite référence. Alors que Doug Gallows qui prend la tête d'Eric Rowan pour mettre Eric Rowan contre Gord. Attention, il le balance dans la corde opposée. Ouh, le coup de coude. Non, magnifique contrée par Eric Rowan. Rowan qu'on voit pas souvent. Attention, Rowan pour le Power Slam. Ouh, la puissance. Là, quand même, dans le ring, on a deux géants qui s'affrontent. Bon, je t'avouerai, je mettrai plus ma pièce sur le Bullet Club, moi, perso, parce que je pense que ça ferait un meilleur match pour Extreme Rules. Enfin, après, c'est que mon avis, la White Family peut gagner, tu sais. Je suis que commentateur, je ne suis pas... si, je suis un peu booker, mais ça, je le dis pas. Parce que là, je suis dans un rôle de commentateur. Donc, tu as sans forme ta gueule, t'es commentateur. Le mec sans pression, tu vois. Attention, l'enfourchement de Doug Gallows. Et oui, c'est Doug Gallows et non Luke Gallows. Là, vous avez compris la VE? Vous avez compris? On arrête avec Luke Gallows. Luke Gallows, ça rappelle la Stray Society. La Stray Society est une mauvaise époque de Luke Gallows. La meilleure époque de Luke Gallows, c'était quand il était en Doug Gallows. Ou quand il était à la TNA avec les SNH. C'était une période de malade pour lui, clairement. Une putain de période. Donc Luke Gallows, on va oublier ce nom, d'accord? C'est Doc Freaking Gallows.
Voilà, on met les choses au clair, les gars, hein, sans pression. Donc, Kyle Anderson qui va enlever Juan. Juan, oh, la triche. Le serbe, il a triché là. Il a mis les doigts dans les yeux. C'est pas réglementaire. Jean, Juan, oh non, oh non. Encore un Power Slam. Power Slam. Ouf, putain, il a complètement écrasé. Oh, les coups de boule. Les coups de boule. Ouais, si on veut, en fait, c'est limite un combat de chauve. Hein. T'enlèves le Carper, c'est un combat de chauve, mon gars. Ils ont tous une barbe, ils sont tous chauves. Hein. C'est chaud, hein, quand même. Ouais, moi je dis ça, mais c'est vachement chaud, hein. Attention, Anderson qui est dans le coin. Ouh, magnifique big boot. Et aussi, on peut parler de Anderson et Gallows qui sont très très mal utilisés à la VE, quoi. Putain. Luke Gallows, on revoit le... Enfin, on va appeler Luke Gallows parce que c'est à la VE, tu vois. Mais on... Putain, Rowan il va abandonner. Rowan qui va abandonner. Ouh, en plus, il peut pas sortir cette prise. Il peut pas ramper aux deux cordes. Heureusement qu'il relâche la prise. Mais voilà, donc Kyle Anderson, je suis vraiment dégoûté parce que il utilise tellement mal. Mon gars, si on regarde un match de la ROH ou de la New Japan de Kyle Anderson et Luke Gallows, mon gars, ça va tellement vite que là, Gallows et Anderson qui font genre qu'ils affaiblissent leur adversaire, qui sont ultra lents dans un ring, alors que les mecs, c'est les plus rapides de la New Japan, quoi. C'était une équipe des plus rapides de la New Japan et là, tu les fais ultra lents. Anderson, c'est un dieu in ring. Technique, il est un truc de ouf. Et là, les seules prises que tu lui fais montrer, c'est des coups de poing, des souplexes, quoi. Mais respectez-le un peu, c'est... Kyle Anderson, je le kiffe, mon gars. Même s'il est... Il a un mauvais rôle dans... À la VE, je le kiffe tellement, parce qu'il... Il est kiffant, Henry, mon gars, mais il est kiffant. Je parle à New Japan, évidemment, mais... Voilà, là, vous entendez ma voix, je suis vraiment déçu. Voilà, je suis énormément déçu. Je pense que je vous ferai un parlons cash sur eux, mais... Je suis ultra déçu de comment ils sont utilisés. C'est un peu comme Edge Style, il est utilisé comme une merde. Mais vraiment comme une grosse chaussette, tu vois. Le mec, il joue le... Il perd son premier WrestleMania, donc tu dis, ouais, bon, ok, c'est vrai. C'est pas vraiment très cool, tu vois. Derrière, il gagne un match pour être challenger numéro 1, mais what the fuck, tu perds ton match à WrestleMania. Et c'est ton... Allez, on va dire, c'est ton troisième... ton quatrième pay-per-view. À la WWE était déjà dans le main event, donc ça, franchement, c'est l'ascension la plus rapide au monde, mon gars. Le mec, il vient en Rumble. Je crois qu'il gagne à Fastlane, je suis plus sûr, mais je crois qu'il gagne à Fastlane. Il perd au WrestleMania. Enfin, non, c'est 5ème, parce qu'il a, je crois qu'il a gagné ou perdu face à Roadblock. Bon, Roadblock, c'est un main event, donc on va pas le compter. Il est perd au WrestleMania, il perd à Extreme Rules. Moi, je te dis, l'ascension, elle est peut-être sympa, mais. C'est utilisé comme une vieille chaussette, parce que là, il est utilisé comme un jobber, mon gars. Quand tu regardes le match, la Extreme Rules, enfin, un payback, excuse-moi, il est dégueulasse. Enfin, pas, il est bon, il est solide comme main event. Mais la performance de Style, elle est dégueulasse, mon gars. Le mec, il a passé son temps à faire des phénomènes forum. Le mec, quand tu regardes, regardez les matchs de Edge Style, tu vois, tombé de Carper, excuse-moi, j'ai eu un peu de mal. J'allais dire Luke Gallows, voilà. Notre petit étirement du coup de la part de Luke Harper. Donc je comprends pas trop le match, hein, les gars, mais je parle de... Là, je parle de ce que j'ai sur le cœur, hein, clairement. Parce que Style, clairement, c'est un mec que je kiffe niveau in-ring. Tu peux pas ne pas kiffer Style niveau in-ring. Même si je suis un peu plus pour Reigns, avec... C'est pas je suis plus pour Reigns, c'est la façon dont ils sont utilisés, en fait, qui me répugne. C'est ça le souci. Je peux pas choisir entre les deux, parce que les deux, je les adore. Quand tu regardes les matchs en gros de Edge Style à New Japan, à la ROH et même à la TNA, mon gars. Mais putain! Mais la VE, ils ont fumé quoi pour faire ça? À la TNA, le mec il est arrivé, il a cash gagné un titre. À la ROH, pareil. À New Japan, pareil. La VE, ils veulent faire pareil, mais ça marche pas, mon gars. Ça ne marche pas. Déjà qu'on a crié sur Reigns parce qu'on a dit ouais, c'est trop tôt pour lui gagner un titre alors qu'il a fait 3 ans à la VE. Style, le mec il vient. Oh. Qu'est-ce qu'il fait Gallows? Qu'est-ce qu'il fait Anderson, excuse-moi. Anderson! Le DDT! En passant entre les cordes. En plus, il y a les escaliers, mon gars. C'est encore plus dangereux ce qu'il a fait. Tu vois? Ça, c'est l'Anderson que j'aimerais voir à la VE, tu vois. La vraie VE. C'est ce que j'aimerais voir. Et mon gars, donc revenant sur G-Style. Et c'est pareil, quoi, G? Avec K-Style, oui. Et là, c'est moche comment il l'utilise. Il l'utilise, mais tellement mal, mais... Style, je sais même pas comment il... Pourquoi il accepte d'être... Comment dire...
d'être parce que oui, il book, mais il demande l'avis aux superstars. Hein. Ça, les gens le savent pas, mais ils demandent quand même. Oh putain! Ouh! Magnifique compte de Gallows. Ils le disent pas, mais on le sait, il y a eu des fuites comme quoi ils demandent. Enfin, des fuites. Ça se sent correct, c'est que quand quelque chose, on te demande ton avis pour dire est-ce que tu veux vraiment faire ça et tout. Mais Style, mais d'où tu acceptes de faire ça comme booking, mon gars? Attends, t'es booké comme ça, alors que dans toutes les autres fédérations, t'étais limite un dieu? Mon gars, tu refuses un booking comme ça. À part si t'on dit, ouais, tu gagneras le titre à Extreme Rules après. Attention de tomber dans simplement 1. Hein. Mais mon gars, il faut se calmer. Moi, on m'aurait... Oh putain, non, il n'y a pas ça au montage, putain. Bon, tant pis, dommage, ça va niquer la fin du match, mais bon. Enfin, la suite du match, excusez-moi, je crois déjà à la fin. Parce que je regarde le chrono, c'est pour ça. Je sais quand le match se finit, tu vois. Et le souci, en fait, c'est que comment tu peux accepter un booking comme ça? T'es utilisé comme une vraie merde, enfin, pas une vraie merde, mais... Il t'utilise très mal, mon gars. Oh, attention, le package. Powerbomb. Il t'utilise vraiment, mais très très mal. Oh, bien joué la part du Carper d'avoir un peu distrait l'arbitre, mais ça n'a pas suffi. Bon, Rowan se dégage très rapidement. Oh putain, là, ça part en couille. Oh. Excusez-moi, les gars, pour ce truc, mais... Je sais pas pourquoi j'ai ça aussi, des fois. C'est que moi, des fois, là, quand je suis au montage, tout va bien, tu vois. Mais là, ça part en couille. Je sais pas pourquoi. Attention, Gallows, Gallows Bomb! Holy shit, c'est terminé, c'est terminé. Et 1, et 2, et 3. Victoire du Bullet Club, qui va donc à Extreme Rules pour affronter donc Cesaro et Kidd. Grosse victoire de Bullet Club qui ont fait. Bon, j'ai pas trop commenté le match, mais je parlais plus de tout ce que j'avais sur le cœur en fait. Et donc, moi je trouve ça dégueulasse que tu acceptes un booking de shot. Pour moi, les mecs qui te disent, bon, tu vas faire ça, ça, ça. Tu vois que ça colle pas à ton personnage, tu dis non, non, mec, je peux pas accepter ça. Tu ouvres ta gueule, merde, t'es quand même Edge Style, t'as quand même. Je sais pas. T'as quand même un nom dans le catch, mon gars. Quand on te dit Edge Style, tout le monde sait. Même si t'es fan de catch, tu connais Edge Style, donc. T'as quand même. Comment dire, de l'influence. Donc t'es le genre de catcheur qui peut ouvrir sa gueule. Tu vois, East Later, Just Girl, tout ça, c'est le genre de mec. Tu pouvais pas ouvrir ta gueule, tu ouvrais ta gueule, t'étais viré. Là, t'es quand même Edge Style. T'as été signé avec un putain de contrat, mon gars, je pense. Tu as un putain de. Niveau pognon, tu ramènes pas mal d'argent, donc tu peux ouvrir ta gueule. Tu peux ouvrir ta gueule à la VE et dire, ouais, non, moi je vais pas faire ça et tout, moi je veux ça, ça, ça. C'est ce que je comprends pas en fait de voir Edge Style. En tout cas, c'est ce que je pensais sur le cœur. Je pense que je ferai un parlons catch avec des guests en parlant du. Enfin, du club, tu vois. On en parlera vite fait, je pense. Donc voici le match qui a été confirmé plus tard dans la soirée. Ido Itami affrontera donc Lucev accompagné de la magnifique Lana. En tout cas, on passe maintenant à notre match de Diva, donc Brie Bella. Donc petite annonce aussi en rapport au Diva. Je vais prochainement faire disparaître ce titre de Diva. Oui, vous l'attendez. Non, il n'y aura pas ceinture WWE Women's Championship. C'est trop masculin pour moi, moi je refuse de la mettre, je mettrai l'ancien titre Women's qui était magnifique. Vous trouvez grandiose. Vous représentez vraiment la division féminine, tu vois. Là, non, je refuse de mettre ce titre dégueulasse que je trouve. C'est un mélange entre la couleur Intercontinental et le titre WWE. Enfin, World Heavyweight, tu vois. Donc je refuse de le mettre, hein. Je mettrai l'ancien titre de Women's quand vous êtes content. Vous aurez un titre de Women's. Voilà, donc je pense que je ferai une story pour l'incruster. Hein. Vous en faites pas. L'incrustation sera en rapport à une storyline que j'aurai créée moi-même. Vous en faites pas. Ça arrivera. Donc, prise dans le coin, il faudra lâcher Brie Bella qui est d'une droite. Brie Bella qui a fait son retour lors du dernier Raw en faisant son Bella Buster sur Paige qui avait remporté son match face à une certaine Layla, je crois.
Et ben là, elle est en action. Brie Bella qui est en action face à Cameron ce soir. Cameron qui est licencié de la, qui a été viré de la WWE. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu le ménage de printemps. Et il y a aussi une annonce comme quoi il y aurait d'autres superstars qui devraient se barrer de la WWE après Extreme Rules. Donc ça, c'est très très mauvais signe, hein, parce que si on a qui doivent se barrer après Extreme Rules, c'est très très mauvais. C'est très très mauvais. Moi, j'aime pas ça du tout parce que limite, on va faire des pronostics. C'est qui va partir, tu vois? Damien Sandow, putain, ils l'ont niqué, ils l'ont déglingué ce mec. Wade Barrett, tant mieux qu'il soit parti. Alex Riley, une grosse perte. Zeb Coulter, bon, on s'en bat les couilles. Hans Hogan, on le voyait plus. Une grosse période avec la DX. Mais c'est dommage, hein. Toutes ces catcheuses et catcheurs qui sont partis. Enfin, catcheuses parce qu'il y a Cameron, tu vois, dans le lot. Tout ça pour signer des nouveaux talents que tu sais même pas s'ils vont briller à la VE, quoi. Les nouveaux talents au Performance Center, et bien sûr, non, pas le roster principal. Donc là, tu dis, mais ils sont complètement tarés parce que déjà qu'ils nous ont balancé des jeunes talents venant du catch indépendant, c'est bien, mais si tu fais ça et tu vires des mecs qui n'avaient aucune importance, aux yeux de Vince dans le roster, et que tu incorpores des nouveaux talents qui probablement dans plusieurs années n'auront que Vince s'en battra les couilles, il dit putain, mais j'ai fait le con en les prenant ceux-là. Et va les virer pour faire des nouveaux talents. Bah alors là, mon gars, on n'est jamais sorti de l'auberge. Hein. On est dans la merde jusqu'au cou, alors là. Hein. Ah, mais sérieux, les gars. Moi, je suis comme ça. On va être dans la merde jusqu'au cou, hein, à un moment donné. Ouh, descente du coude. Magnifique de la part de Cameron. De Cameron. Hein, voilà. De Cameron. Parce que moi, j'aime bien niquer le nom, tu vois. Attendez, je regarde vite fait un petit truc hors vidéo. Hein. Vous n'en faites pas. Je regarde c'est quand qu'il joue 14h30, nickel. Le mec à quelle heure il joue? Non, vous en faites pas, c'est personnel, c'est rien. Bon, pour ceux qui savent, c'est Paris. Paris sportif. Comme j'ai un gros gain, donc voilà, je garde. Oui, parce que j'en retrouve ça le samedi, tu vois. Ça, j'aurai un bon dimanche. Et samedi et lundi, comme c'est férié, tu vois, c'est cool ça. Comme ça, je sortirai un épisode un peu plus tôt que d'habitude, comme tout le monde devrait être à la maison, parce que ce sera le soir et comme c'est férié, tu vois. Enfin, je pense. Donc ça peut être cool. Comme ça, je pourrais bosser un peu de mon côté, derrière. Magnifique splash hein, de Cameron qui va, on dirait, le retenter. Attention! Bah ouais, ouais, de Cameron. On va les appeler les Cameron Splash, tiens, voilà. Les Cameron Splash. Magnifique, hein, le petit nom, le de Cameron Splash. Ouh, le coup de pied dans la tête. Ah, c'est pas gentil ça, Cameron, hein. Vilaine fille. Faut tomber. Et un, et deux, et le dégagement de notre Brie adorée, hein, voilà. Enfin, actuellement en retraite, hein. Prochainement comme sa sœur, voilà, hein. Enfin, on la voit plus, donc. Tous les grands noms, ils se cassent, on dirait, franchement. Enfin, ils ont plus rien de caché. Bon, Brie Bella, ça se comprend. Son mari, il a pris sa retraite. Enfin, on lui a donné une retraite forcée, quoi, limite. Tu verras qu'en 2030, il sera Hall of Fame. Je vais pas comprendre pourquoi, mais tu verras, il sera Hall of Fame en 2030, mon gars. Comme ils aiment bien mettre les Hall of Fame quand ils sont morts, limite. Oh, juste pas qu'il mourra en 2030, hein, mais on sait jamais, hein, tu sais. C'est la VE, hein. Il peut être encore vivant et le balancer, hein. C'est la VE, ils sont capables, c'est con, hein. Brie Bella qui veut des gosses, donc voilà, c'est fait comme il veut, hein. S'il a envie de créer une famille, elle crée une famille, hein. Qu'est-ce que je te dis? Attention, Brie Bella qui envoie Cameron, ouf, qui se rattrape grâce aux cordes, qui ne chute pas à l'extérieur du ring. Attention, et le drop kick! Qui cette fois fait chuter Cameron à l'extérieur du ring. Il faut des précisions, mon cher Loulou, des précisions. Un coup de pied au niveau du genou pour essayer de le broyer, peut-être. Je ne sais pas. Attention, et le brise-bras de la part de Brie Bella. Qui va relever Cameron. Ouf. Oh le knif. Oh le knif. Il est beau le knif, hein. The beauties invented the term twin magic, and Brie was also diva champion. Since 2013, oh, il a brisé le bras encore. Reality television star on WWE's Total Divas show on the E Network. That year, she was also 6. Elle est déjà 6. Cameron qui commence à danser. Elle devrait être en coupe FM Dungo, elle, celle-là. Si elle veut danser.
Ouf, attention. Attention. Et... ouh, snap souplex magnifiquement bien porté par Cameron. Oui, j'aime niquer ton nom, toi. Attention, Cameron qui attend que Bribella se relève. Attention. C'était terminé. Elle va vouloir en finir. Oh, Bribella qui arrive contre avec magnifique droite. Attention, Bribella qui prend la tête de Cameron. Qui envoie Cameron dans le coin. Projection de poussin, mon gars. Ouh, le elbow smash. Oh, oh, Bribella. Bribella qui attend que Cameron se relève. Elle va vouloir en finir. Bribella. Bribella pour le Bella Buster. Et c'est terminé. Le tombé, c'est fini. Et un. Et deux. Oh, dégagement. Oh, dégagement. Alors, c'est vrai, je m'attendais à un 2,99. Mais non, c'est un 2-2. Un 2-20 si on veut. Et un dégagement assez rapide de la part de Cameron. Ça, on va dire que ça me choque un peu, tu vois. Mais un dégagement assez rapide, ça m'a étonné là. Le Cameron là. Ouh, Joe Breaker. Bien porté. Qui va envoyer. Ouh, Bribella dans le coin. Attention. Elle place Bribella sur les cordes. Enfin, sur la troisième corde plutôt. Vincent parle correctement. Ouh, touche à la droite. Attention, Cameron. Back suplex. Oh yeah. Depuis la deuxième corde. Le tombé. Le tombé. Et un. Et deux. Ouh, le dégagement réflexe de la part de Bribella qui aurait pu. Que le match aurait pu se finir comme ça. Ouh, le knif. Attention. Et Russian leg sweep. Encore une fois, très bien porté. Et les droites qui s'enchaînent sur la tête de Cameron. Mais c'est violent ce qu'elle fait là. Moi, je m'attendais à pas voir Bribella aussi violente. Si on le relève. Cameron. Elle se fait contrer. Bribella qui se maintient. Sur, avec les cordes. Attention. Ouh, le coup d'épaule. Ouh, magnifique le flip pour le tomber. Et un. Et deux. Ouh, le dégagement. Dégagement de 99 de la part de Cameron. Le coup de pied dans le cul, si on veut. Attends, on envoie Cameron dans le courant, encore une fois. Encore un envoi dans le coin. Bribella. Que fait Bribella? Bricka du mal, mais qui place Cameron sur cette troisième corde. Ouh, oh putain, elle se prend un petit coup de pied, mon gars. Et le super drop kick de la troisième corde de la part de Cameron qui va monter, on dirait, sur la troisième corde à nouveau. Putain, mais Cameron, c'est Knife Flyer, quoi. Elle a trop regardé l'Iwusso, mon gars. Ouh, putain, on va dans le dos. Oh, la claque! La claque! Ça a claqué! Et... ouh! Oh, le brise nuque un peu. Enfin, le brise cou, si on veut. Ça casse un peu. Ouh, on prend le brise nuque. Le Joe Breaker. Attention, ouh. Elle l'amène au sol. Ok, une prise d'affaiblissement, on dirait, de la part portée par Cameron. Oh putain, oh la pression qu'il y a eu au niveau de la tête. Ouh, Bribella qui va contrer. Qui prend la teutée. Je sais pas ce qui s'est passé. Bribella qui a l'air d'être fatigué. Cameron qui la prend. Oh là là, elle l'a jetée. Après cette prise aux cheveux. Oh la salope. Le mec sans pression qui sort ça. Oh la pute. Le mec c'est un bâtard, tu vois, on dirait. Oh la pute. Attention, elle envoie Bribella dans les cordes opposées. Attention. Et ouh. Ok, elle le bloque, on dirait bien. Oh là là, elle est en train de lui éclater la tête là, d'après ce qu'on a vu. Tombé, et un, et deux. Ouh, le dégagement. Le dégagement de la part de Bribella, qui s'est magnifiquement bien dégagé. Ouh, coup d'armement dans le dos, coup d'armement dans le dos encore, le coup de pied dans le dos. Enfin, plus un peu sur les fesses, mais bon. Bribella. Attention, ouh, elle a éclaté le bras, je pense, là. On l'a ramenant un peu au sol, mais le bras qui a directement pris coup, voilà. Mais Bella Buster, à nouveau le deuxième. Et là, je pense que c'est terminé pour ce match. Tu pouvais tenter de tomber directement, Brie. Hein. C'est pas grave, Brie, on t'en veut pas. Et un, et deux, et trois. Victoire du Bribella qui s'impose. Pour son match de retour, si on veut, à Raw. Oui, parce que quand t'as absent 2 semaines, pour moi, tu fais ton retour. Hein, voilà. Le mec sans pression pour son retour.
Non, non, bon, pour son match de. Ben, d'après. Quand elle est plus championne, voilà. Son premier match, quand elle n'est plus championne. Bah, tant mieux pour elle, hein, si on veut. Là, elle est en train de ramener. Ouais, là, c'était en fait. C'est... Ouais, nous manque à ralenti, ces salauds, hein. Et les commentateurs qui, on dirait, n'ont rien à foutre de ce match. JBL qui a limite montré. Elle, je la baise, tu vois. Le mec limite. Voilà, donc bravo à toi, Brivella, tu remportes ce match et nous, ben, on va enchaîner sur la suite de Raw. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui es-tu? Qui es-tu, petit enfant? Tu es qui? Ah, ok, c'est Paul Heyman. Je vais regarder un truc, parce que ça m'inquiète. Ça m'inquiète un peu. C'est Paul Heyman. Oh, les bâtards. Ils m'ont fait un mauvais... Attendez, les gars. Il se passe un truc qui est pas bon pour le business, si tu veux. Si tu vois ce que je veux dire, mon gars. Alors pourquoi il m'a mis ça, ce connard? Excusez-moi, je parle tout seul. Hein. Vous inquiétez pas, je vais bien. Hein, dans ma tête. Je vais très bien. Ah, ça se voit pas? Bah, désolé, les gars. Hein, mais je vais très bien quand même. Je suis Paul Heyman and my client Brock Lesnar a brisé la série de The Undertaker à WrestleMania. Le meilleur souvenir de toute la fédération, le meilleur souvenir de la WWE est mon client. The reigning, defending, undisputed WWE World Heavyweight Champion of the World fera son retour prochainement à la WWE. Et je préfère prévenir toutes les superstars du roster de Raw, de SmackDown, de tous les rosters. Et en particulier, que ça soit Orton, Jericho ou qui que soit d'autre en tant que champion de la WWE. My client, the perfect storm, the best Brock Lesnar détruira le champion de la WWE et sera votre nouveau champion de la WWE. Alors Randy, ou qui que ce soit en tant que champion de la WWE, je te préviens que profite bien de ton titre, car quand Brock Lesnar sera de retour, tu pourras dire bye bye au WWE Championship. Et donc voilà l'annonce qui nous était ben, parvenue plutôt dans la soirée, même la semaine dernière. Orton qui va donc défendre son titre face à Dean Ambrose, quoi, voilà, pour le titre de la WWE. On va voir ce que ça va. On va voir ce qui va se passer pour eux. On va voir tout ça, t'as vu. On souhaite. Va rester jusqu'à la fin, que tu dis, on souhaite. Va rester jusqu'à la fin de ce show pour savoir la fin de match. Par contre, nous, on passe entre avant-dernier match de la soirée. On a vu de Otami. Voici la belle. La brute bulgare accompagnée de The Russian Russia. Lana. Et Rusev. Rusev qui est un peu aussi l'homme invaincu de Raw, hein, tout comme Hideo Itami. Deux hommes qui sont invaincus. Bon, Rusev un peu plus longtemps que... Parce que oui, il était là avant Hideo Itami, donc... Bah, il va y avoir quelqu'un qui va connaître la défaite ce soir. Qui on va savoir ça. Moi, j'aimerais bien qu'Itami gagne ce match, tu vois, pour la suite de son ascension à WWE Monday Night Raw. King Prince Puma qui... King Puma qui n'a pas... je ne sais plus. C'est l'un ou l'autre, hein, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, vous aussi. Qui n'a pas encore, comment dire... Ouh, le coup d'un bras. Qui n'a pas de match ce soir. Donc peut-être à SmackDown, qui sait, on verra par la suite. Mais on a vu qu'il y a une discussion entre les deux pour les main guys, ce qui paraît. On verra par la suite si cette alliance va se faire ou pas. On verra. Attention, headbutt, de la part de Rusev. Salut, l'accent russe, mon gars.
Ouh là, le kick. Le magnifique kick de la part de Rusev avec Lana qui applaudit. Mais oui, Lana, la femme de Rusev. Et comme la chanson le dit, j'ai peur de me tromper, mais la fin c'est Lana en slip. Lana en slip. Voilà, c'est la petite musique de Philippe Chiro. Non, de Christophe Ajus, excuse-moi, putain. Oh le con, tu es en train de t'afficher devant tout le monde. De Christophe Ajus. Voilà, donc on n'a pas encore eu de Lana en slip. Hein. Hashtag Lana en slip, hein, voilà, on veut Lana en slip. Dans le mode univers, évidemment. Hein. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais voilà, je vous le dis. Le mec qui crée des hashtags, mais il n'est pas sûr. Sion Rusev qui va ramener de Timmy un peu au centre du ring pour le rejeter à l'opposé. Oh, mais quel brute. Brute bulgare, hein, il fait pas les choses à moitié, ce con. Hein. Il tourne Hideo Tami. Oh, oh, oh. Oh, la souplex bulgare. Alors, j'essaie de cacher mon ro comme je pouvais. Attention, il va envoyer Hideo Tami dans le coin. Ouf. Attention, peut-être l'enfourchement de la part de Rusev dans ses contrées. Ouh, Oliver Zidichi, porté par Hideo Tami, magnifiquement bien porté. Il est en train de relever Rusev. Attention, ouh, le brise-nuque, si on veut, la part la droite de Rusev. Ouh, le kick de Rusev. Attention, oh, le big, oh, le coup de tête de Rusev. Ouh, le petit kick. Ouh, esquive, attention. Rusev, le choc slam. Ouh, le runage, un peu, une ancienne version. Et un. Et non, simplement un dégagement très rapide d'Hideo Itami, qui a du mal dans ce match pour l'instant. Sur Fireman Carry, enfin Fisherman Carry, il va projeter Rusev dans le coin opposé. Un coup de... un magnifique coup de pied dans le vent, oh, coup de pied. Oh, c'est contré. Oh, Rusev. Putain, la vitesse qu'il a, il a posé dans le coin, mon gars. Les cordes. Ouh, magnifique compte de la part d'Hideo Itami. Hideo Itami, super dropkick. Enfin, missile dropkick. Sur Hideo Itami qui va monter sur les cordes, enfin sur ce coin, un peu dans les cordes, ben dans l'autre coin. Un missile dropkick un peu foiré, mais qui touche quand même. Ça touche quand même. Itami qui est un peu fatigué, qui a vu que Rusev était lui aussi un peu dans le mal, une période de mal dans ce match. Hideo Itami qui va partir pour cette souplex. Ah, très bien porté. Hein. Itami qui a monté sur la troisième corde à nouveau. Troisième fois qu'il est monté sur une corde. Oh, le foot stomp. Donc peut-être un clin d'œil à Finn Balor. Hein. Et un. Et deux. Ouh, le dégagement de Rusev. Alors oui, j'en ai parlé à... Oh, l'esquive de Rusev, j'en ai parlé à très peu de personnes, mais... une nouvelle ceinture va arriver du coup... Enfin, un nouveau design de ceinture va arriver du côté de SmackDown. Donc une ceinture à SmackDown, voilà, vous avez un petit indice. Qui va remplacer une ceinture déjà existante. Mais ça sera le même titre, hein, mais c'est juste le design qui change. Ça arrivera, je pense, vers Payback, enfin, vers le pay-per-view qui remplace Payback. Attention, deux, et le dégagement de Hideo Itami suite à ce magnifique super kick de Rusev. Donc un nouveau design, je vous l'annonce. Hein. J'ai trois designs pour l'instant. Donc peut-être je ferai un vote sur Twitter. Peut-être. Peut-être je ferai pas de vote. On s'en bat les couilles peut-être des fois aussi. Voilà. Vous savez tout. Le tombé de Tatami, mais l'arbitre est distrait par la magnifique Lana aussi. Tu m'étonnes. Comment tu peux pas être distrait sur cette magnifique femme? Rusev, il a vraiment de la chance, ce con. Hein. Putain. Oui, ils sont mariés en plus, c'est con. Ils sont mariés, hein. Ouh, le coup d'avant-bras. Le coup d'avant-bras nouveau. Le coup d'avant-bras d'Hideo Itami. Il a projeté Rusev. Dans les cordes opposées, il rebondit. Il passe par en dessous. Il se foire. Il passe par en dessous. Il se foire. Oh, oh, le kick. Attention, Hideo Itami. L'enfonchement du japonais. Il tente de tomber. Il tente de tomber. Et un. Et deux. Et non, simplement de le dégagement de Rusev. Itami qui est sur le tablier, il attend. Il attend que Rusev se relève. Il attend que la bête bulgare. Missile drop qui touche. Enfin, qui a touché plutôt, parce que. Et Lana. Eh oui. Itami qui est un peu distrait par la magnifique Lana, évidemment. Mais oui, regarde-moi comment elle est magnifique, Lana. Elle est magnifique, oh. Elle est magnifique. Eh oui, mais Rusev en profite. Oh, c'est une German Suplex, ça, un peu. Ouais, c'est une sorte de German Suplex. Attention, Rusev qui va ramener un peu Hideo Itami au centre du ring. Ah, ok. Et... Double Axe Handle.
Ouh, magnifique. Il va relever. Il doit être ami. Okay. Et le backbreaker. Il vient de lui casser le dos. Après deux coups d'Axe Handle et ce coup-là, ben là, il a eu sûrement le dos brisé. Oh, attention. Oh, la collade. La collade. La collade de Rusev. C'est terminé. C'est terminé. Itami va devoir abandonner. Itami va devoir abandonner. Non, non, mais... Et Rusev qui relâche la prise. Ou Itami qui a eu de la chance. Derrick Rusev ne voulait pas finir le match tout de suite. Mais il tente quand même de tomber. Et un... Et deux... Ouh, le dégagement. Oh, le dégagement réflexe alors que Rusev... dit qu'il y avait trois. Mais c'est putain de bug. Quand tu fais une soumission, tu fais pas tomber derrière, merde. Ça casse tout, mon gars. Attention, il va ramener un peu. Itami au centre du ring. Il ramène cette carcasse. Il le relève un peu. Ouf. Et attends, c'est la fente de la main, ça, on dirait. Il relève encore. Et le double Axe Handle dans le dos. De Itami qui est en train de se faire déglinguer, mon gars. Attention, il est ramené au sol par Rusev. La prise d'épuisement portée par le Bulgare. Oh, la pression. La pression portée par le Bulgare. Encore une fois, le coup de pression au niveau du cou. Son Ido Itami qui se relève doucement. Le coup de coude. Encore un coup de coude pour le contre. Et Lana qui intervient encore. Et back souplex de Rusev. Lana qui intervient très très bien aussi. Le tombé. Et un. Et deux. Ouh, le dégagement d'Ido Itami. Qui reste encore dans ce match. Puis Itami qui a une bonne résistance pour l'instant. On n'avait pas trop vu dans ces deux premiers matchs à Road, ben tout simplement parce qu'il avait, oui, ben, il était easy, tu vois. Là, il a un arc un peu plus coriace, donc il montre beaucoup de résistance. Et le double kick. Ouh, attention, Ido Itami qui est très fatigué, mais qui attend que Rusev se relève. Oh, oh, ça va partir pour le GTS. Le GTS, il met sur les épaules. Attention. Et le coup de genou. C'est terminé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Lana qui intervient encore, mais c'est pas possible. Lana qui intervient. Pourquoi? Pourquoi elle fait qu'intervenir, elle? Mais laisse le match se dérouler comme il faut. Puis qui peut passer. Attention, Rusev qui en profite pour envoyer Itami dans le coin. Attention. Oh oh. Il place Itami sur cette troisième corde. Ça oh putain, si ça part, ça va faire mal. Oh, le coup d'envoi. Oh oh. Oh non. Non, non. Non, non. Super. La German Suplex. Holy shit. Oh, depuis la troisième corde, mon gars. Oh putain. Rusev, il est génial. Attention. Oh. Il enchaîne les tombées. Attention. Et un. Non, rien. L'arbitre a disparu. Lana. Lana qui en a profité. Putain, il doit être ami qu'il faut qu'il... Il faut qu'il enchaîne, il faut qu'il continue. Attention. Il la retente. Et il enchaîne pas, il est tombé. Évidemment qu'il il peut pas. Quoi? Le New Day. Le New Day, mais qu'est-ce qu'il fout là? Kofi Kingston, Xavier Wood. Biggie. Le New Day. New Day. New Day. Allez, dansez les gars. Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Eh, vous n'étiez pas prévus pour le show, là, les gars. Vous savez que c'était un match de toute la nuit, hein. Et c'est pas un match tag team, les gars. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent là, mais... Peut-être qu'ils viennent à... Oh, le super kick de Rusev. Mais oui, c'est obligé. Ils sont venus intervenir dans le match. Ils sont venus intervenir dans le match pour faire perdre Ido Itami. Attention, oh, le coup de pied dans le dos à la collade. C'est terminé. Oh, c'est terminé. Oh. Est-ce qu'il va s'en sortir de ce deuxième accolade? Est-ce qu'Ido Itami va s'en sortir? Est-ce qu'il va s'en sortir? Allez, Ideo! Allez, résiste! Résiste, petit! Et non, il abandonne. Itami qui abandonne. Rusev qui donc conserve sa série d'invincibilité. Et Itami qui goûte à la défaite. Rusev qui remporte ce match. Donc on revoit l'accolade où Ido Itami a abandonné. Ah, c'est dommage pour Ido Itami. Ah, mon dieu. Rusev qui gagne le match, New Day qui sont sur la rampe, hein, je les vois, ils sont sur la rampe. La caméra ne veut pas les montrer, mais bon, ils sont sur la rampe. Oh là là.
Passons à la suite. Oh, Biggie! Oh, attention! Bing and Ding! Holy shit! Le New Day qui sont venus, qui sont montés dans le ring, qui sont éclatés! Ido et Tammy, oh mon dieu. Pauvre Ideo. Ça annonce quelque chose pour Extreme Rules, ça. J'espère qu'il y aura un match entre le New Day et Ido et Tammy à Extreme Rules. J'espère. Les jeunes pousses qui viennent à Raw ou à SmackDown pour montrer leur talent à l'univers de la WWE. Nous, le New Day, avons décidé que tout ceci devait s'arrêter. Les jeunes pousses veulent prendre notre job. Kofi Kingston et moi-même, Big E, sommes là depuis plusieurs années. Je suis venu de la NXT. Kofi Kingston est un multiple champion des États-Unis intercontinental par équipe. Et cette jeune pousse d'Ido et Tammy est venue à Raw et veut tout de suite prendre les devants de la scène, être aux lumières et pourquoi pas avoir un match pour un titre, alors que nous sommes déjà une équipe qui est là depuis pas mal d'années. Et nous avons décidé ce soir de mettre fin à ces jeunes pousses qui veulent piquer notre job. Et Ido et Tammy n'est qu'un exemple. Nous mettons en garde toutes les jeunes pousses de Raw ou SmackDown qui veulent prendre les lumières. The New Day est là. Et The New Day destroy you. Au moins ça c'est clair. And now, his main event of the evening est le premier arrivé, représentant The Shield, The Lunatic Fringe, l'ancien champion des États-Unis, et il encaisse son title shot, Dean Freaking Ambrose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de match pour le titre WWE à Raw, hein. Et en plus dans le main event. Ambrose qui est là très très chaud. Qui rentre avec cette entrée du Shield. Je le trouvais magnifique à l'époque. Tu vois sa petite veste hein, un peu. On va attendre bien sûr le champion. Qui va bientôt faire son entrée. Le champion de la WWE. Nous attendons. Et le voilà, The WWE Champion, The Viper, The Apex Predator, Randy Orton. C'est toi, tu vas faire un bleu prénom à fond et le nom Orton. Tout bas, un peu à la Chris Jericho. Bah, c'est un exemple, hein, en fait, un exemple. J'aime pas faire Randy Orton. Je sais pas, y a un problème. Tu vois. Orton. Le champion qui remet son titre en jeu ce soir. C'est un match normal, on précise. Dans les règles de l'art, on voudrait. Hein. Orton qui t'a pas l'air de vouloir célébrer un peu. Pas envie. En tout cas, le pay-per-view, donc payback. Si c'est payback, ce sera Chicago. Si on change et que c'est pas payback, hein, dites-moi si c'est une bonne idée aussi. Ben, le pay-per-view se déroulera donc à Saint-Louis, dans le Missouri, donc dans la ville de Randy Orton, on précise. On précise un peu. Qu'est-ce qu'il est beau ce titre quand même. Qu'est-ce qu'il est beau. Et ça y est, la cloche retentit. On commence par une prise de force et directement Dean Ambrose est bloqué dans le coin. L'arbitre, il y a des règles, il faut quand même séparer les deux compétiteurs. Séparation. Dans le respect. La séparation dans le respect.
Prise de force à nouveau. Attention, remportée par Dean Ambrose, qui est en train de faire une magnifique clé de bras. Non, attention, Orton, qui lui envoie les cordes. Il rebondit. Il passe par en dessous. Il revient. Oh, attention, l'arm drag dans ses contrées, Dean Ambrose. Arm drag! Enfin, Iptos plutôt, excuse-moi, Iptos. Bien porté, prise de force à nouveau entre les deux lutteurs. Cette fois, c'est le champion qui remporte de la prise. Oh. Petit coup pour deuxième coup pour intervention. Mais ils me font chier avec les mariages dehors là, franchement. Sur Ambrose qui ramène Orton au sol, avec cette magnifique clé de bras pour affaiblir le champion. Ça marche, et le coup de genou dans le dos. Ouh, la droite, le coup de boule. Attention, il va l'envoyer dans les cordes, il passe par en dessous, il passe pas encore une fois par en dessous, et le fail. Putain, j'arrive jamais avec ce coup là. Oh, l'esquive. Oh, la corde qui a tapé le coup de Dean Ambrose, qui aurait pu lui couper la respiration. Heureusement qu'il a réussi à... j'espère qu'il va bien quand même, Dean Ambrose, même si c'est un peu un petit lunatique, tu vois. J'espère qu'il va bien, son petit... il est un peu en train d'éclater le coup de Dean Ambrose et le jette au sol, hein, sans pression. Aussi, il faut que je bosse sur les promos, parce qu'il va y avoir des promos, tu vois. Et comme je suis pas en vacances, il faut que je bosse sur les promos, mon gars. Attention, Dean Ambrose, qui en... Attention. Oh, le coup de genou. Il l'envoie encore dans les cordes. Le coup de genou. Et Dean Ambrose, avec le Lucien Leg Sweep. Faut que je bosse sur quelques promos. Donc, à la promo, je pense, pour le championnat de la WWE. Je pense pas pour le titre polo, parce qu'il n'y a pas trop de story. Peut-être pour d'autres matchs à venir, on verra. On verra par la suite. Ambrose qui est monté sur sa troisième corde. Est-ce qu'il va avoir le temps d'armer et de toucher Orton? Oh non, Orton qui est intervenu tout de suite. Orton qui met deux jambes d'Ambrose à l'extérieur. Oh, oh, ça part pour la prise familiale. Pour la prise familiale. Pour la superplex. Orton qui est monté cette fois sur sa deuxième corde. Et oh, l'esquive de Ambrose, il a esquivé ses deux coups d'avant-bras. Attention, Dean Ambrose. Ouh, le DDT. Magnifique float over DDT. Oh, il est en train de... Bah, de toute façon, il est le ring avec le visage de Randy Orton suite à cette magnifique descente du coude. Ambrose qui est monté sur cette troisième corde à nouveau. Bah, il est un peu loin, je trouve. Hein. Je trouve qu'il est un peu loin, Ambrose, pour sauter. T'es un taré, mais t'es un peu loin. Ambrose qui attend. Il remonte à nouveau sur sa troisième corde. Il a eu le temps, mais il est passé au-dessus de Randy Orton, en fait. Orton qui a bien joué le coup en faisant aucun mouvement. Et en faisant exprès d'attendre. Souplex de la vipère. Attention. Et les claques de bras de Dean Ambrose. Et la descente de l'Axe Handle. Il enchaîne le tombé. Et un... Et non, simplement un dégagement très rapide de Lunatic Fringe. Encore cette prise qui est carrément casse-couille, celle-là. Putain, pourquoi il a ajouté dans le jeu? Elle est relou, mon gars. Ouais, certes, ça fait une prise un peu d'épuisement, si on veut. Ça brise un peu le coup, mais... Elle est pourrie. Elle est pourrie, cette prise. Sur, il va relever. Dean Ambrose. Oh, la percute, magnifique. Pour contrer Randy Orton. Oh, Dean Ambrose. Dean Ambrose, powerbomb. Holy shit. Oh, la puissance de la powerbomb, mon gars. Une violence. Ouh, attention. Jawbreaker du champion qui va envoyer Dean Ambrose dans le coin. Magnifique envoi. La droite de Randy Orton. Ouh, Ambrose qui va contrer. Ambrose, float over à nouveau. DDT. Il va relever le champion. Attention. Et le DDT. Putain, Mister DDT, il est présent, mon gars, là. Dean Ambrose qui est monté encore sur cette troisième corde. Il aime bien la troisième corde, Dean Ambrose. Oh, il s'est trompé de cible. Il a tué l'arbitre. Il a fait une magnifique descente du coude, mais il s'est trompé de cible. Il a touché l'arbitre. Il a touché le corps arbitral. Attention, Orton qui envoie Ambrose dans les cordes opposées. Oh, le Lost Press. Le Lost Press de la part de Randy Orton. Il tente de tomber. Peut-être c'est terminé. Et un. Et non, encore un, simplement un dégagement encore une fois très rapide de Randy Orton. Ouh, de Dean Ambrose, esquive de Dean Ambrose. Le coup d'un roi dans le dos de la part de Dean Ambrose. Il attend que Orton se relève, très intelligent. La droite, le coup de boule. Attention. Oh, le coup d'un roi, les contrées. Oh,
Le rebound, Lariato. Lariato, c'est voilà, t'as compris, c'est du japonais, t'as vu. Le rebond de Lariat, magnifiquement bien porté. Il va envoyer Orton. Il se rattrape. Heureusement que Randy Orton se rattrape un peu. Oh, mais malheureusement, il finit. Bien sûr, il sort du ring avec cette droite de Dean Ambrose qui sort du ring aussi. Qui s'approche du cadavre du champion. Qui relève le champion. Il est fair play. Il est gentil. Attention. Oh, il envoie Orton contre un barre de la sécurité. Et à nouveau. Et encore une fois. Ça fait trois fois qu'il envoie contre un barre de la sécurité. Oh, contre le tablier. Dean Ambrose qui commence à devenir un peu crazy, mon gars. Un peu crazy. Attention. Oh, c'est un reverse. Ah, la bombe slam. Holy shit. Alors qu'on est déjà à 6. L'arbitre qui est à 6. Ambrose qui... On est à 7. Ambrose qui remonte dans le ring. Mais Orton, il peut rester à sortir du ring. Il gagnerait le match. Il conserverait son titre. Ouais, mais Orton qui remonte tout de suite dans le ring. Ben, il veut gagner par fair play. Ça, c'est un vrai champion. On reconnaît les vrais champions. Même si Jericho est un vrai champion aussi. Ouh. Ouh, le coup de pied au niveau des côtes. Oh, le coup d'accordage, Randy Orton. Oh, la révolte. Le deuxième coup d'accordage. Attention, il esquive. Et il y a le post-stream de la vipère. Attention, Randy Orton. Oh, le coup de pied dans le poignet. Dans le genou. Ouh, dans la cheville. Ouh, dans les côtes. Et on finit le tour du monde. Le tombé, c'est peut-être terminé sur ce tour du monde. Et un. Et non, simplement encore un dégagement très rapide de la part du challenger. Ouf, heureusement qu'il a réussi à magnifiquement bien contrer. Ouh, le coup de pied dans les côtes, attention. Il va envoyer Randy Orton. Ouh, non, dans le coin. Attention, Dean Ambrose, Tornado DDT. Le champion qui saigne. Le champion qui saigne. Oh, ça peut être très très mauvais ça pour le champion. Donc, le challenger. Le challenger qui va vouloir en finir. Le challenger qui va vouloir en finir, attention. Le challenger pour le Dirty Deeds. C'est terminé. C'est terminé. Le Dirty Deeds qui est placé, c'est fini. Et un. Et deux. Oh, le dégagement. Le dégagement du champion. C'est pas fini. Il est encore dans le match du champion. Le champion qui en sang, on précise. Oh mon dieu. Attention, il ramène un peu Orton au centre du ring. Il le retourne. Et il vient de lui éclater la jambe. L'intelligence. L'intelligence du Dean Ambrose. Il retourne encore les vipères. Attention, bloque la jambe. Oh, 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 attention. Oh, la prise de soumission. La prise de soumission, la William Regal. La William Regal, on dirait. C'est ce que c'est une prise de soumission que portait beaucoup William Regal dans son époque où il catchait. Donc, à l'époque de 2002-2003. Il catchait encore cette époque et il portait ce genre de prise de soumission qui finissait pas mal de fois les matchs. Là, Dean Ambrose qui n'a pas fait abandonner le champion. Ça aurait été quand même pas mal d'orgueil hein, de faire abandonner le champion quand même. Ambrose qui a vu qu'il était trop loin, il se rapproche un peu du champion. Attention. Oh, Orton, RKO. Holy shit. Middle, RKO. Oh my god. Le public a chanté un peu It is awesome, mais très rapidement. Et un. Et deux. Et non, le dégagement. Le dégagement du challenger. Mais non. Mais non. C'est pas possible. Quel main event. Oh mon dieu. Ouh, Ambrose qui repose dans le coin. Il en fout. Ambrose qui est fatigué. Orton qui a du mal à mettre Ambrose sur sa troisième corde. Mais le plus important, c'est qu'il l'ait mis. Oh, le coup de coude. Pour contrer. Ambrose. Descend du coude qui touche pas. Il va jamais réussir à la porter, la descente du coude. Oh, le coup de boule de Dean Ambrose. Attention, Dean Ambrose qui envoie le Jarton dans le coin, très intelligent. Attention, repas pour ce tornado. DDT. La tête d'Orton, putain, mais s'il continue à viser la tête d'Orton, il va se blesser avant Extreme Rules. Mais il va se blesser. Oh, 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 il va le fusiller là. On connaît ce que ça veut dire. Non, 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 Ambrose. Non, il va le fusiller. Il va le fusiller. Oh. Il l'envoie. Il va le fusiller. Il va le fusiller. Là, c'est obligé. Ambrose, dans les cordes. Ambrose. Oh mon dieu, le DDT. Holy shit. Le suicide dive DDT. De la part de Dean Ambrose. Premier match de la soirée. On a vu Karen Anderson qui a fait ce même DDT
Mais entre la première et la deuxième corde et la Dean Ambrose qui fait DDT, mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est fou ce mec, il est crazy. Hein? Le Big Show? Enfin, faut qu'on l'a vu, c'était aussi à WrestleMania. Le Big Show qui fait son retour, le mec, il veut balancer des retours le mec. Le Big Show, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il veut intervenir, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait là le Big Show, mais c'est pas ton match. C'est le match de Dean Ambrose. Orton qui a l'extérieur du ring, on précise, hein, est un peu caché, mais dans... Big Show qui monte tout de suite dans le ring. Ambrose qui sait pas pourquoi il est là. Et le coup de la corde à linge. Disqualification. Il y a disqualification là. KO Punch. Oh mon dieu. Il relève encore. Il relève encore Dean Ambrose. Non, c'est... Il y a une disqualification. Il y a une disqualification là. Dans le CEO. Que fait le CEO là? Que fait... C'est quoi cette fin? Orton qui a l'air d'avoir conservé son titre par disqualification. Puisque le Big Show est donc intervenu et a donc fracassé Dean Ambrose. Qu'est-ce qu'il va dire Triple H? Qu'est-ce qu'il va dire? Tu dois mettre de l'ordre en Raw, Triple H. Fais ton job, merde. Je dis pas que c'est ton plan quand même, Triple H. C'est pas ton plan. Dean, tu croyais vraiment qu'on allait te laisser avoir ce match pour le WWE Championship? Tu croyais vraiment qu'on allait laisser te gagner ce titre de la WWE et casser la chance de Chris Jericho lors de Extreme Rules? Tu veux te battre, Dean? Le Big Show qui t'a actuellement déglingué la gueule ce soir. Il affrontera toi et ton pote Seth Rollins dans un handicap match à Extreme Rules. Et toi, Randy Orton, tu défendras donc ton titre face à Chris Jericho dans un Extreme Rules match. The Authority always wins. Quelle annonce pour cette fin de show, mais on se retrouve très très vite pour SmackDown et pour les prochains Raw, bien sûr pour Extreme Rules. Bonne soirée à tous, à la prochaine.